Donc, dans le numéro ici, on a un cylindre dans lequel on va percer un trou. Donc, on se retrouve avec un cylindre troué. Quand vous avez un cylindre troué et qu'il y a seulement un trou, c'est la même formule que lorsque vous avez un prisme troué avec un trou. C'est toujours pareil. Donc, ce qu'on doit compter quand on fait ça, c'est l'aire latérale extérieure. Donc, la paroi est ici. Je vais prendre un surligneur pour bien montrer. Donc, ça serait vraiment la paroi qui est comme ici. Après ça, ici, plus, on va l'ajouter l'aire latérale intérieure. Donc, l'aire latérale intérieure, je ne peux pas vraiment la surligner parce qu'on ne voit pas le trou dans l'image, mais ça serait vraiment imaginer qu'il y a un trou. Tu peux rentrer ton doigt, comme ta main, puis toucher à l'intérieur du trou. Donc, ça, c'est la paroi intérieure. Après ça, il faut ajouter deux fois l'aire de la grande base. Donc, ici, là, si je prends cette portion-là ici, et que je l'agrandis. Donc ça ressemble à ça ici. Le trou, dans le fond, il va aller percer. La perceuse, dans le fond, va aller faire un trou ici qui va ressembler à ça. Donc ça va ressembler à ça ici. Donc ce qu'il faut faire, dans le fond, c'est faire l'aire de la grande basse. Donc ce que je veux dire par ça, c'est l'aire du grand disque. Mais par contre, oups, je veux pas vraiment l'aire du grand disque au complet parce qu'il y a un endroit où est-ce qu'il y a l'air. Donc ici, là. Ça ici, c'est un trou. Il y a de l'air qui passe à l'intérieur de tout ça. Là. Donc, je ne peux pas vraiment y toucher, c'est un trou. Donc, il faut que j'enlève après ça toute l'air du petit disque ici. Parce que c'est troué, ça ne compte pas. Donc, il faut que j'enlève l'air de la petite base. Je fais un x2 ici, parce que cette face-là se retrouve aussi en arrière. Donc, je répète, là, ici, il faut faire l'aire latérale extérieure, l'aire de la paroi intérieure à l'intérieur du trou, là, ici. Donc, ce qu'on pourrait toucher. Donc, l'air latéral, dans le fond, de ce cylindre-là, du petit, de la mèche. Après ça, il faut que je fasse l'air de la grande basse, donc l'air du grand disque. Mais, oups, c'est pas vrai parce qu'ici, il y a l'air du grand disque, mais je vais faire un trou dedans. Fait que ça va perdre un peu d'air, ça va être un peu plus petit, la mesure. Donc, il y a un trou dedans qui est en forme de disque. Il faut que j'enlève ce trou-là et c'est là deux fois, en avant et en arrière. Je vais aller préciser ma formule. Donc, l'air latéral extérieur, l'air latéral d'un cylindre, c'est toujours PB fois H. Plus l'aire latérale intérieure, ça va être encore une fois PB fois H. Plus deux fois l'aire de la base, ça va être pi r exposant 2, moins pi r exposant 2 aussi. Parce que la grande base est en forme de disque, l'aire d'un disque, c'est ça. La petite base est en forme de disque, l'aire d'un disque, c'est ça. Ici, j'ai différencié le grand rayon du petit rayon. Le grand rayon, ça va être le rayon du grand disque, qui est r majuscule, puis le petit rayon r minuscule pour l'aire du petit disque, l'aire du disque vert. Je vais aller préciser ma formule encore une fois. Donc, pour l'aire latérale extérieure, le périmètre de la base d'un disque, le périmètre de la base d'un disque, c'est ce que je suis en train de dessiner en bleu ici, c'est la circonférence. La formule de la circonférence, c'est 2 pi r. J'ai mis un grand r parce que puisque c'est l'aire latérale extérieure, on parle du grand rayon parce que c'est le grand disque qui forme l'aire latérale extérieure, fois la hauteur, plus 2 pi r, donc avec le petit rayon, fois h, plus 2 fois, ça reste pareil. Après ça, dans le fond, tout ce qui vous reste à faire, c'est de substituer dans votre formule le grand rayon, la hauteur et le petit rayon. Donc, le grand rayon, on nous dit que c'est 2,3. Ah, mais regardez ici, j'ai quelque chose que je viens de voir. Ça ici, c'est en centimètres. Tandis que ici, on a des mesures qui sont en millimètres. Donc, il va falloir faire attention à ça. Donc, ici, le grand rayon, je vais le laisser en centimètres. Donc, deux fois 2,3 fois la hauteur qui est 6,4 plus 2 fois. Donc pour le petit rayon, donc le petit diamètre c'est 8 mm. Ça veut dire que le petit rayon c'est 4 mm. Mais on va le mettre en centimètres, donc ça fait 0,4 fois la hauteur qui est 6,4 plus 2 fois pi fois le grand rayon qui est 2,3 exposant 2 moins pi fois le petit rayon qui est 0,4 exposant 2. Donc, après ça, je vais aller calculer mes sections, mais en fonction de pi. Donc, je vais aller prendre un petit crayon pour vraiment illustrer où est-ce qu'ils sont mes sections. Là. Donc, j'ai une première section ici, qui est l'aire latérale extérieure. Ici, j'ai l'aire latérale intérieure. Et après ça, ici, j'ai mes bases. Donc, ici, je vais laisser en fonction de pi. Ça me fait 2 fois 2,3 fois 6,4, qui me donne 29,44 pi plus 2 fois 0,4 fois 6,4
qui me donne 5,12 pi. C'est normal que ce soit plus petit parce que c'est l'aire latérale intérieure. Plus 2 fois 2,3 exposant 2 qui me donne 5,29 pi. Moins 0,4 exposant 2 qui me donne 0,16 pi. Je vais aller faire une dernière ligne avec vous si j'arrive à... C'est difficile à bouger tout ça. L'application est plus difficile à bouger que Notability, pas mal. Donc, à partir de là, je vais aller faire une dernière ligne avec vous. Ça me fait l'aire totale qui est égale à donc 29,44 pi plus 5,12 pi plus 2 fois. Je vais aller faire la soustraction à l'intérieur parce que c'est des termes qui sont semblables. Donc, 5,29 moins 0,16 qui me donne 5,13. Pi. Et à partir de là, tout ce qu'il vous restera à faire, c'est de distribuer le 2 dans la parenthèse, puis additionner tous ces termes-là ensemble. Mais laissez pas la réponse en fonction de pi, donnez la réponse ordinaire.